Morgan, allez, Idan et Tusra aujourd'hui, le Lunishmat, Micha, Michael, Ben Masouda, Nachman Youssef, Ben Nachum, Abraham Chenor, Ben Fortune, Mazal, Dov, Ben Yehudit, Yaakov, Nisimen Hana, Rosette, Zohara, Bat, Sultana. Si vous souhaitez vous aider, notre prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet, Meila, Perekhe, Mishnah Bet. Nehena, Bekachati Pruta, ou Pagam, Bekachati Pruta. Oshe Nehena, Bechave Pruta, Bedavar Echad, ou Pagam, Bechave Pruta, Bedavar Echer. Rize, Lomaal, Ad, Cheyehene. On avait appris hier deux types de Meïla selon les objets que l'on a sanctifiés. Il y avait ce qu'on avait appelé les Meïla chez Yeshbobgam et Meïla chez Enbobgam. La Meïla des objets qui sont dégradables et Meïla dans les objets qui sont inusables. On a beau les utiliser, ils ne s'effritent pas tellement en tout cas. On avait pris, il y avait deux exemples. D'un côté, il y avait une bague, un objet en or, par exemple. L'or ne s'effrite pas à la longue, ne s'érode pas à la longue, en général, quoi. On peut mettre un collier pendant 200 ans même, il ne va pas diminuer au fil du temps. Ça, c'est une meïla qui est donc ce qu'on va appeler inusable. Et on a, à part ça, les autres objets qui sont dégradables, toutes sortes d'objets qu'on va utiliser, qu'à la longue, plus on va les utiliser, plus ils vont s'abîmer. Le cas type, un vêtement, on le met, il ne va pas durer pendant 10 ans, il y a un moment où il va commencer, il va se frotter, il va se salir, jusqu'à quelle fin il va complètement mourir. D'accord? On va mettre maintenant le zoom dans notre Mishnah des objets qui sont dégradables, que dans ce cas-là. Je voulais te préciser. La mesure requise pour la Meïla, pour transgresser l'intérêt de Meïla, c'est une pruta. C'est un mot assez vaste. Et qui va prendre deux interprétations différentes. Dans les objets qui sont inusables, le collier en or, alors je te demande de tirer un profit d'une pruta, ça signifie, va voir combien coûte de louer un collier pour quelques minutes, peu importe ce que tu vas utiliser, et dans ce cas-là, tu vas pouvoir évaluer selon le prix de la location de l'objet, combien tu devras payer pour la Meïla, est-ce que tu es imposable de Meïla, puisque tu as profité d'une valeur au moins d'une pruta. Ouais, bah c'est 10 minutes avec une montre sur la main, ça peut coûter une pruta. Donc dans celle-là, tu as mis la montre pendant la montre du Hekdesh pendant 10 minutes, eh bien tu devras payer. Ça c'est pour les objets qui ne s'usent pas. Maintenant, les objets qui se dégradent au fur et à mesure de l'utilisation, comme le vêtement, comme. Alors là, il va falloir aussi une pruta, mais alors là, c'est plus délicat. D'où la question. Est-ce qu'il faut dégrader l'objet d'une pruta, donc que sa valeur diminue d'une pruta? Est-ce qu'il faut tirer un profit d'un objet qui se dégrade et le faire dégrader, mais pas forcément. Ouais. Est-ce qu'il va falloir donc tirer un profit d'une pruta ou bien le dégrader d'une pruta? Et de nouveau, la grande réponse sera les deux, mon capitaine. Et c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner en me disant Nehena bekachatzi pruta ou pagam bekachatzi pruta. Donc on met le zoom sur les objets qui se dégradent, donc qu'on t'a demandé de les abîmer. C'est-à-dire que tu es imposable de Meïla. Pas uniquement lorsque tu vas tirer un profit d'une pruta, mais même lorsque il va falloir même aussi que tu le dégrades et que tu le dégrades de une pruta. Et si toutefois tu as nehena bekachatzi pruta, il a tiré un profit d'une demi pruta, et ou pagam bekachatzi pruta, et en plus de ça il a même abîmé l'objet d'une demi pruta. Vous allez me dire un demi et un demi ça fait un. Réponse non, pas du tout. Un demi et un demi ça fait un lorsqu'on parle de la même unité de mesure. Mais un demi-kilomètre et un demi-kilo, ça ne va pas faire ni un kilo carré mètre. C'est deux choses différentes, d'accord? Allez, et bien c'est exactement ce qui se passe. Il y a ici, sur deux plans, on te demande qu'il y ait une valeur d'une prota. Sur ce que tu dégrades, une prota, et sur le profit que tu tires, une prota. Et si tu as fait une demi et une demi, ça ne fait pas un. Nehena bekachatzi prota, ou pagam bekachatzi prota. Il a tiré un profit d'une demi-prota, il a même usé l'objet d'une demi-prota. Ou encore, il y avait deux objets, semblables, un côté de l'autre. De chemise. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a tiré un profit d'une pruta dans l'un, ou pagam shavé pruta bedavar acher. Et il a usé l'objet d'une pruta sur autre chose. On ne parle même pas qu'il y a deux objets en fait. Je vais prendre un exemple grossier en disant qu'on parle de deux objets, mais en fait je vais vous montrer qu'on peut même aussi parler du même objet. Et c'est là le trilogie de la Mishnah en fait. Ouais, il y a si on avait par exemple deux chemises, une chemise avec une belle marque, je sais pas, marque à la mode à notre époque, c'est quoi? On est encore à Lacoste,
Alors j'ai mis une belle chemise comme ça pendant 5 minutes, j'ai fait le beau gosse, mais j'ai pas du tout usé l'autre une chemise. Et l'autre chemise, je l'ai prise et puis je l'ai faite tomber dans de l'encre. D'accord? Elle est pourrie, on peut plus la récupérer. Il s'avère que j'ai tiré profit d'une proutade, j'ai fait le beau gosse avec ma belle chemise. J'ai massacré l'autre chemise. Mais j'ai pas tiré profit de la même chemise. J'ai pas tiré profit de la chemise que j'ai usée. Et bien dans ce cas-là, même dans un cas pareil, on n'est pas tour. De Meïla. Arézé l'Oma'al. Il n'a toujours pas transgressé l'interdit de Meïla. On va expliquer un petit peu mais dans quelques secondes. Mais pour le moment, je finis la Mishnah. Donc il n'aura pas transgressé l'interdit de Meïla. Adche Nehene, Bishavé Prota, jusqu'à qu'il va tirer un profit d'au moins une Prota. Ou Veif Gom, Bishavé Prota, et qui va détériorer l'objet, dégrader l'objet pour une valeur d'une Prota. Bedavarichad sur la même chose. En fait, deux petites halakhot faciles qui vont vous aider à bien assimiler le principe. Tout d'abord, si j'abîme uniquement sans tirer profit, je suis pas tour. Dans le Hekdesh et dans la Trouma. La source, en fait, de notre halakha, elle est déduite de la Trouma. Il y a une xerachav entre le Hekdesh et la Trouma. La Trouma, c'est ce qu'on donne au konim. Il y a Chetret Mitrouma. Si vous voyez dans la chasse, on raconte souvent. Xerachav à Chetret Mitrouma. Ça doit être instantané. On rencontre très fréquemment ça. Chetret Mitrouma, c'est une xerachav qui fait apprendre des halakhot qui ont été explicités dans la Trouma sur le Hekdesh. Maintenant, dans la Trouma. La Trouma, j'ai de l'argent qui appartient au Hekdesh, j'ai des fruits qui appartiennent au Kohanim. Je dois le donner au Kohanim. Si je les mange, je vais devoir rembourser. Il y a tout un rituel, une taxe à payer et tout ça. Mais c'est si je mange. Mais par contre, si je détériore uniquement, je ne dois rien payer. Pourquoi? Là, c'est plus compliqué, ça s'appelle Mamon Shen Notovim. Ça appartient à personne de concret. C'est une dette générale, une taxe à payer au Kohanim. Tant qu'elle est là, tu la donnes au Kohanim. Si tu manges, la Torah l'a imposé malgré tout de pour ta capara de donner la contrepartie au Kohanim. Mais en fait, c'est pas que tu as une dette parce que tu as détérioré un bien qui appartient au Kohanim, parce que pour l'instant, ça appartient à aucun Kohen. C'est Mamon Shen Notovim, ça s'appelle. En tout cas, donc si je prends maintenant des perrottes, des belles oranges de Trouma, et j'en fais de la ratatouille par terre, je la mélange avec de la terre, je dois pas payer. Mais si je vais en manger une, je devrais rembourser cette pomme, je sais plus, j'ai une orange. Au Kohanim. Ok? Partons de ce principe aussi. Lorsque je vais détériorer du Hekdesh uniquement, je vais prendre un Hekdesh qui est un beau, quelqu'un qui a sanctifié du vin pour le Hekdesh, et je le renverse par terre. Ou de l'huile, peu importe. D'accord, je le renverse par terre, je le détériore, mais j'en tire pas profit, je suis dispensé de payer. Pourquoi? Parce que donc j'ai juste détérioré, mais j'ai pas tiré profit. Là, on t'impose de compenser le profit que tu as tiré, que tu n'avais pas le droit de tirer. En deux mots, c'est pas un sacrilège, tu as fait quelque chose de pas joli, mais tu n'as pas utilisé toi-même ce qui revenait au roi. C'est le principe. Ça, c'était la première introduction. La deuxième introduction, maintenant, je l'ai oublié. Ah oui, le super exemple qui rallonge le Tosot Yom Tov pour apporter du Rambam. Imaginez que j'avais un vêtement avec un petit trou, il me manquait un bouton, peu importe. Et j'ai un petit trou. Il y avait un vêtement personnel. Il y avait une chemise du Hekdesh que j'ai coupé là-bas, un petit bout de la chemise, mais qui n'a pas une valeur d'une prouta. Je n'ai pas détérioré la chemise pour une prouta. Imaginez, c'est le petit bout de la chemise qu'on peut mettre dans le pantalon, que personne n'avait remarqué en fait, qu'elle a été déchirée. Donc si j'ai déchiré maintenant un petit bout là-bas qui a une valeur. Non, j'ai pris un bout, excusez-moi. J'ai pris un bout qui a une valeur d'une prouta. Ouais, j'ai pris un vrai bout conséquent. À cause de ça, la chemise maintenant, elle vaut nettement moins cher, elle a un petit trou. Donc, j'ai détérioré la chemise, mais je n'ai pas tiré profit. Après, je vais prendre ce petit bout de tissu, je vais le coudre sur une autre chemise, à moi, personnelle, pour boucher un trou. Donc maintenant, je suis... Et grâce à ça, ma chemise va reprendre de la valeur. D'accord? Donc en fait, il s'avère que j'ai détérioré la chemise du Hekdesh, et j'ai tiré profit de ce petit bout avec lequel j'ai détérioré la chemise, j'ai tiré profit de plus qu'une prouta. Et bien malgré tout, je suis dispensé. Pourquoi? On te demande de tirer le profit de ce que tu es en train de détériorer au même moment. Il faut qu'au moment où tu découpes la chemise, en fait, tu te fais un plaisir. Tu es en train de faire une activité avec les enfants et tu t'es mis à découper des chemises. Et là, ça, pendant que tu as détérioré, tu as tiré le profit tout de suite. Mais si ce n'est pas tirer le profit de ce que tu détériores au même moment, mais que c'est qu'un profit en fait que tu vas avoir, un profit que tu vas en plus loin, en retour, quoi, eh bien, il n'y aura pas d'interdit de Meïla. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'assa, racolto, salam.